Bonjour à tous les blogueurs, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Malheureusement, j'ai une assez mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour essayer de compenser cette mauvaise nouvelle. Comme on l'avait pressenti, on en a parlé ce week-end, il y a de grandes chances que la célébration commune qu'on attendait tous ne voit pas le jour par rapport au film Dragon Ball Super Broly. La raison est simple, le film est sorti au Japon. Pour l'instant, en Europe, il n'y a pas eu la moindre date. Pas de date en France. On sait que le film va sortir en France, mais pour l'instant, on n'a pas de date. Donc, difficile de faire une célébration commune quand le film n'est pas encore sorti. Ils ne vont pas commencer à spoiler des éléments de l'histoire, etc. Bon, même si tu vas dire, oui, c'est ce qu'ils font déjà. Oui, mais par rapport à la com' du film, ça ne sert à rien de sortir la célébration maintenant, sachant que le film, quand il sortira en France... ça serait plus intéressant d'utiliser la com autour des différents supports, les jeux mobiles, etc. Pour faire un maximum du bruit et de com autour du film. Donc, comme j'avais pressenti, on a parlé ce week-end, pendant que sur la version japonaise, il y a la célébration autour du film, dans Dragon Ball Super Broly, sur la version globale, on aura quelque chose. D'où la bonne nouvelle. El Famoso Hit Respecté, lié... en fait, c'était lié au vote qui a été proposé il y a quelques mois. Voilà, on aura un Dokkan Festival Hit. Alors, on ne sait pas s'il sera exclusif à la version globale. En tout cas, il sera exclusif pendant une certaine période. Parce qu'il sort d'abord sur la version globale. Alors, ce n'est pas le nouveau hit en question. Là, je vous montre les précédents hits qui n'étaient pas vraiment respectés. Mais voilà, on aura un nouveau hit. Ça a été confirmé par Team Dokkaner. Voilà, donc les gens qui me demandent, Brice, il sort quand Dragon Ball Super Broly sur la version globale? Pas de date. Je pense que ce sera soit février, soit mars. Le temps qu'ils fassent la com, les traductions, les sous-titres, les affiches. Peut-être qu'ils vont faire appel à des doubleurs français. Je ne sais pas s'ils vont faire une version française. Parce que s'ils font ça, ils vont devoir faire une version espagnole, etc. Enfin, doublée en espagnol, etc. Donc voilà. Soyez quand même contents, apparemment le hit risque d'être assez chambé, parce qu'en fait pour l'instant on n'a aucun hit respecté, là c'est le premier hit qui est sorti, qui a eu un événement TUR, franchement très décevant par rapport à l'animé, par rapport à la place qu'il avait dans l'animé, déjà compétence leader qui est pas trop dégueu, il peut servir pour certains modes de jeu, attaque à def moins 30% pour l'ennemi, si tu pars avec un double hit, bah, l'adversaire aura moins 60%. Au niveau de l'attaque, c'est comme s'il avait, comme si tu avais constamment l'item qui réduit les dégâts, un peu plus que le N1. Il inflige des dégâts colossaux et étourdi à 25%. Bon, c'est toujours mieux que rien. Attaque plus 80%, il annule la garde de l'ennemi et il a de grandes chances d'étourdir l'ennemi 40%. Le stun, lors du passif, ne dure qu'un seul tour. Il annule la garde, c'est-à-dire qu'en fait, s'il affronte des unités endurance, bah, il va faire des dégâts neutres. Niveau lien, malheureusement il avait gagné briser la limite. Il a vitesse époustouflante qui est pas dégueu. Guerrier de l'univers 6 qui plus 2. Fonceur, un petit boost d'attaque. Jugement serein, défense supplémentaire. Guerrier vétéran 10%. Guerrier suprême complètement OZF. Donc voilà, c'est un peu dommage. Après en termes de stats, c'était pas ça non plus. Hein. 9000 en PV, 8000 en attaque, c'est assez décevant. 4500 en défense, c'est correct. Donc voilà, c'était le premier hit sorti. Et franchement. C'est pour moi, c'est un peu un manque de respect. Hein. C'est comme si, je sais pas, moi, tu mettais un Végéto bleu et tu donnais ses stats, tu vois. Donc, très décevant. Ensuite, nous avons eu... Ah non, on a eu d'abord le hit Néo Support. Par contre, qui est pas dégueu. Parce qu'en fait, tous les Néo Support fonctionnent de la même manière. Hein. Ils donnent 40% attaque et def pour une classe et pour un type. Et il donne aussi Ki plus 3 pour un type. Il inflige des dégâts colossaux et étourdi à 20%. Niveau lien, c'est quasiment les mêmes. Hein. Vitesse époustouflante, guerrier de l'univers 6, fonceur, jugement serein, guerrier vétéran, guerrier suprême, et il gagne en plus tournoi du pouvoir. Il donne beaucoup de ki quand même. Hein. Ki plus 4, ki plus 7, ki plus 8. Ouais, ça fait beaucoup. Niveau stat, 8700 PV, 8000 en attaque et 4300 en défense. Il serait potentiellement plus intéressant que le hit intelligence. Pour l'instant, il n'a pas eu d'éveil. C'est un peu triste. Tous les néo-supports n'ont pas eu d'éveil à ce jour. Il n'a qu'une seule catégorie, survie de l'univers. Et on termine par le hit free-to-play. Compétence leader pour l'agilité, mais bon, pas ouf. Inflige des dégâts colossaux, chance moyenne d'étourdir, 30%. Apparemment, il a plus de chance de stun que le hit TUR intelligence. Attaque EDF plus 60% lors d'une attaque spéciale. Donc il a déjà plus de défense que les autres...
les autres unités, les deux autres hits et chance moyenne d'étourdir s'il attaque en premier, 25%. Niveau lien, il y a quand même des bons liens, vu que c'est une unité free to play, invité s'épousante, guerre univers 6, donc c'est quasiment les mêmes foncières, jugement serein, guerre évitant. Ah ouais, c'est exactement les mêmes en fait. C'est constamment les mêmes liens. Après, bon, c'est vrai, comme c'est une unité free to play, faut pas s'attendre à des PV de ouf. 8300 en attaque, et par contre, en défense, il coiffe tout le monde 4500. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas de hit respecté, on est d'accord. Maintenant, le prochain Dokkenfest risque d'être intéressant. On ne sait pas s'il y aura d'autres unités sur le portail. Mais dans tous les cas, voilà, packez vos DS, n'invoquez pas pour Mirai Gohan. Je pense que le hit sera très intéressant. Peut-être qu'il proposera un leader exclusif, enfin inédit, ou un leader, un deuxième leader pour une autre catégorie qui est déjà existante. Pour l'instant, hit, il fait partie de la catégorie survie de l'univers. Peut-être qu'on aurait un leader alternatif à cette catégorie. Donc voilà, attendez quelques jours. Hein. C'est la deuxième. Parce qu'en fait, la célébration sur la version globale est en deux parties. La deuxième partie, elle commence dans quelques jours. Donc voilà, packez vos DS. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Et puis voilà. Bon, sur la version japonaise, voilà, pareil, on attend quelques jours pour avoir du lourd par rapport au film Dragon Ball Super Broly. Donc voilà, arrêtez, s'il vous plaît, de me poser la question. Quand est-ce que. La célébration Dragon Ball Super Broly va arriver sur la globale. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ce sera repoussé pour l'année prochaine. Pour la fin d'année, nous avons une unité exclusive qui a été votée. On a des choix entre Caulifla, Hit. Je sais plus c'est qui le troisième. Hit, Caulifla. C'est peut-être. Je sais pas si c'est Kale. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la troisième, le troisième choix? Donc voilà les amis, passez une bonne journée, n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, et puis n'oubliez pas que j'ai une petite page YouTube, le lien se trouve dans la description pour soutenir la chaîne, voilà, n'hésitez pas à regarder 3 pubs par jour sur ce, passez une bonne journée. Ciao.